J'ai demandé à Jean-Marc de s'associer avec moi pour faire ce travail parce que j'ai commencé à l'Université du Québec à Rimouski en 1974, ça fait 43 ans, et je suis à la retraite depuis 14 ans, donc je trouvais qu'il fallait compléter avec le présent. Jean-Marc a été directeur de la RUC, d'économie sociale, quand j'ai pris ma retraite, et il a assumé aussi la direction du réseau québécois de recherche partenariale, et il est aussi directeur d'une chaire de recherche partenariale, donc c'était dans la thématique. Disons que, pour introduire le sujet, je dirais que le Québec est reconnu dans le monde, c'est-à-dire particulièrement en Europe et en Amérique latine, comme étant une société où l'économie sociale est le plus développée, des conditions les plus favorables. C'est pas idéal, mais les plus favorables. Et où la recherche est très connectée à cette économie sociale. Et dans cette perspective-là, c'est l'UQ qui est sans doute et les constituantes, qui sont sans doute les universités les plus engagées dans le soutien et, je dirais, dans l'institutionnalisation de l'économie sociale. Alors, c'est ceci. Oui, oui, c'est correct. Alors, c'est le donc ici. Disons que le point de départ, le plan, c'est qu'est-ce qui est en bleu, c'est Jean-Marc qui va le développer, et moi je présente l'introduction et qui est en noir. Le point de départ, donc, c'est que l'économie sociale et l'innovation sociale, c'est deux notions de très liées entre elles. Et l'innovation sociale a été reconnue dans le cadre des politiques scientifiques. On a dit d'ailleurs qu'à partir de 1980, c'est autour de l'innovation que les politiques scientifiques se définissent, même s'il y a des glissements. Et donc, une certaine institutionnalisation de l'innovation sociale reconnue dans les politiques scientifiques. Et aussi, au Québec, on est même allé jusqu'à créer un prix pour les chercheurs qui sont engagés dans l'innovation sociale et dans la collectivité. Et au Québec, il y a eu à date 5 prix et 3 sont du réseau du Q. Et le quatrième est un membre du CRIS qui est à l'Université Concordia, qui est Marjorie Mandel. Alors, donc, il y a une certaine reconnaissance qui est, pour l'économie sociale, les éléments marquants de la reconnaissance, c'est le compromis à la fin du sommet socio-économique de 1996 et c'est la loi qui sera plus récemment adoptée en 2013. Alors, notre hypothèse, c'est que les chercheurs, et je dis les gestionnaires de la recherche, mais disons que ça couvre beaucoup de monde, mais des gens qui étaient plus dans la direction de la recherche, dans les institutions de l'UQ, ont contribué justement à cette institutionnalisation. Et le cadre théorique pour comprendre des questions qu'on se posait aussi avec les services de la collectivité et tout à l'heure avec la présentation de Marc Urbain, c'est que comment... sur la question de l'institutionnalisation, quand il y a du nouveau, la théorie du néo-institutionnalisme dans le sociologique avec DiMaggio, entre autres, c'était que c'est l'isomorphisme, c'est-à-dire ce qui est nouveau se modèle sur ce qui domine. Et dans cette perspective-là, on finit par imiter les institutions dominantes et adopter leur discours, leur analyse, leurs valeurs et leur programmation. Et cet type d'analyse a été inversé à partir des notions de travail institutionnel, c'est-à-dire d'entrepreneuriat institutionnel, et maintenant, moi j'aime mieux, de travail institutionnel. C'est-à-dire que quand on crée du nouveau, les théories qui, pour moi, sont inspirantes, c'est celle de l'acteur réseau. On peut réussir à assurer une permanence et un développement du nouveau dans la mesure où on réussit à mobiliser une diversité d'acteurs. C'est toute la question de l'acteur réseau bien développé par Canon et Latour. Et ensuite, le travail se fait pour qu'on puisse arriver à ce que quelque chose comme l'économie sociale et l'innovation sociale, dont on ne parlait pas auparavant, arrive à être sur la scène, c'est qu'il faut un travail cognitif. Et là, c'est un travail cognitif qui n'est pas uniquement des chercheurs, mais qui se fait en liaison aussi avec des acteurs, qui est un argumentaire, des notions, on dit un narratif, et ainsi de suite. Il faut aussi avoir un certain nombre de convictions et de valeurs plus ou moins partagées, et ça s'incarne généralement dans une méthodologie en ce qui nous concerne, et également un pilier, une dimension de régulation. On met en place, par exemple, des programmations, des centres, des institutions. Ça, c'est un peu le cadre historique,
Et quand on regarde le rôle de l'IQ, dans ça, on peut le voir justement dans ce pilier cognitif de conceptualisation que les chercheurs ont fait avec des acteurs du milieu, au niveau de mise en place de méthodologies appropriées, mais en gros, c'était des méthodologies de recherche participative et des formes organisationnelles et institutionnelles qui permettent de donner une matérialité à ces innovations et à des formes, par exemple, d'économie sociale. Alors, l'innovation sociale comme thématique de recherche, mais au Québec, disons que le collectif que j'avais fondé avec Paul R. Bélanger sur les innovations et les transformations sociales, mais on a développé une vision de l'innovation sociale qui était originale dans la mesure où cette notion était reliée surtout à des institutions, à des organisations et au micro. On les a reliées aux transformations sociales et on a choisi le Québec comme notre laboratoire et on a développé ainsi une conception de l'innovation qui était définie en termes de nouvelles formes d'organisation ou de coordination et nouvelles formes d'institutions, c'est-à-dire de répartition du pouvoir, de démocratisation et même de répartition des ressources. Et on a défini l'innovation comme étant quelque chose qui dépasse aussi l'organisation et l'entreprise dans la mesure où l'innovation est à la fois un processus, un système et que aussi elle peut être étudiée en liaison avec un modèle de développement. Et pour dans les politiques scientifiques, l'idée de l'innovation dans l'institutionnalisation, elle a été développée au Conseil des sciences et technologies et dans le Conseil québécois de recherche sociale, où on a deux acteurs très importants, Camille Limoges, Camille Limoges et Camille Bouchard dans l'autre institution, qui tous les deux ont été stratégiques à cet égard. Mais il faut bien voir que la question de l'innovation sociale a été absente jusqu'en 98-99. Même si, dans le colloque de 1986 sur sciences sociales et transformations technologiques, c'est un gros document de 303 pages, le président est Paul Bernard et Éric Cloutier, et je regarde le document, jamais il y a le mot « innovation sociale ». C'est plus la relation de la société avec l'innovation technologique. Alors, l'apparition, en plus de ce que les chercheurs dans la crise ont fait, l'apparition de ce concept-là s'est faite à travers le groupe de travail présidé par Camille Bouchard. Je vais très vite là-dessus, parce qu'il y a d'autres étapes, mais pour voir, en ce qui concerne l'économie sociale, on verra tout à l'heure comment c'est lié à l'innovation, c'est que l'économie sociale, elle a existé avant la notion. Et donc, elle a existé, ce qui est important de voir dans cela, dans des expérimentations que je n'explicite pas ici, qui est le premier picot. Le deuxième, c'était le repositionnement des acteurs sociaux et organisés. Et ça s'est fait avec l'appui des chercheurs de l'UQ, entre autres. Et ça s'est fait à partir des syndicats, ça a donné naissance au Fonds de travailleurs. Ça s'est fait dans le monde coopératif avec les États généraux de la coopération en 90-92. Dans le monde rural aussi, ça a donné lieu le Forum pour l'emploi. Je donne toutes les institutions où on a développé justement ce cognitif, cette compréhension. On a développé également des certains nombres de convictions et on a suggéré des expérimentations. Et les chercheurs ont eu des regroupements assez importants. Pour moi, l'Université coopérative internationale, qui a fonctionné 10 ans au Québec, était 4 continents, est assez importante à cet égard. Le CIRIAC Canada aussi, ou avec 15 pays, et d'autres éléments qui ont fait qu'on a pu développer un cognitif concernant l'économie sociale. Et ici, vous avez dans ce schéma l'originalité de l'approche de l'économie sociale telle que développée en Europe continentale et aussi en partie en Amérique latine. Vous avez l'approche anglo-saxonne, c'était la non-profit organization. Et dans le non-profit, qu'est-ce qui fait que le non-profit a un sens pour la collectivité? C'est le fait que c'est pas de profit. S'il n'y a pas de profit, c'est nécessairement l'intérêt général. Donc, on soutient les organisations qui n'ont pas de visée de profit. Dans l'économie sociale, c'était plutôt
dans une tradition qui remonte à certaines formes socialistes et aussi à la doctrine sociale de l'Église, c'était l'idée de la gouvernance. Si on peut même avoir des activités marchandes, si la, c'est la gouvernance des acteurs, des membres qui, et des représentants de la société civile qui réussissent à définir les finalités de l'activité. Et c'est dans cette perspective-là qu'on arrive. Alors, il y a eu un affrontement à un certain moment donné, pendant, surtout au niveau international, entre ces deux visions. Et disons qu'au Québec, c'est celle de l'économie sociale qui s'est imposée. Au Canada anglais, les deux se sont, ont fait leur place. Ensuite, ici, on peut voir aussi comment on a fait le lien, et là-dessus, le Québec s'est distingué jusqu'à un certain point, et des positions qui sont partagées ailleurs aussi. Mais disons que l'innovation sociale, quand on prend dans la boîte les cinq types d'innovation définis par Schumpeter puis par le manuel d'Oslo, c'est qu'on se rend compte qu'il y a deux éléments qui sont les nouvelles combinaisons des formes organisationnelles et des formes institutionnelles. Et pour nous, l'innovation sociale, c'est là qu'elle se situe. C'est des initiatives, des expérimentations à faible contenu technologique qui visent à des nouvelles formes d'organisation, des nouveaux modes de gestion, des nouvelles formes de répartition du pouvoir. Et donc, c'est là qu'est l'innovation sociale. L'économie sociale, dans la mesure où elle est de gouvernance, elle peut prendre toutes les cinq formes d'innovation et elle peut leur donner, par la gouvernance, une finalité qui va être sociale. Souvent, il y a la confusion. Et évidemment, oui, une minute, la question de l'innovation sociale, c'est que l'originalité, c'est que ce n'est pas uniquement partir du laboratoire pour expérimenter. Ça suppose, les acteurs ont souvent une initiative, les chercheurs peuvent arriver sans doute avant, mais parfois pendant, puis parfois après. Et dans cette perspective-là, ça suppose des méthodologies particulières. Et au Québec, dans le réseau de l'UQ, il y a au moins trois méthodologies de recherche participative qui sont apparues. La recherche-action, au début des années 70, la recherche en partenariat, y compris les actions concertées un peu plus tard, et la recherche maintenant, dimension, la coproduction des connaissances. Ces trois successions de façon de voir la participation dans la recherche donnent lieu en même temps à trois dimensions d'analyse, où on peut voir comment la dimension organisationnelle, la dimension institutionnelle et la dimension cognitive, qui fait que les acteurs ont des connaissances souvent non codifiées, d'où le travail, l'intérêt pour créer des nouvelles connaissances, de travailler avec ces acteurs. Alors, je donne, dans tout ça, évidemment, peut-être c'est un domaine où l'UQAM a travaillé en étroite collaboration avec les universités en région et les apports ont été assez équilibrés. Voilà, donc je continue avec des éléments, trois diapos. Un premier sur une cartographie du réseau UQ en lien avec trois dimensions, développement territorial, innovation sociale, économie sociale et solidaire. Et après quelques observations et en troisième temps, des éléments de conclusion qui essaient de dégager, si on veut, des points forts par rapport peut-être plus à la prospective que par rapport aux 50 dernières années. Donc, dans un premier temps, comme vous avez beaucoup de temps et beaucoup de connaissances des sigles, on a essayé de ramener ça sur une seule diapositive par économie et aussi pour en soins par rapport à l'environnement. Et autour de différentes dimensions, la recherche, la formation, donc l'impact disciplinaire, évidemment, toute la question de la diffusion, transfert à travers soit des revues, soit des colloques, et aussi une autre petite, un petit encadré autour du financement de la recherche pour montrer l'influence que des chercheurs, des réseaux peuvent avoir eu sur ces différentes dimensions. Ce qu'on peut voir, c'est que dès les années 70, on est actif à l'intérieur de presque toutes les dimensions qui sont retenues et une diversité, si on veut, aussi de thématiques qui sont abordées avec une variété en termes de localisation dans les différents réseaux. Ce n'est pas complet. Ce matin, j'étais dans un autre colloque où Martin Robitaille de l'Outaouais me dit « Mais là, on crée l'Observatoire de développement de l'Outaouais. » Alors là, il faut rajouter une autre dimension à l'intérieur de cela. Et tout à l'heure, on parlait du réseau TELUC, et je me rends compte qu'on a mentionné, par exemple, le programme de développement économique local et communautaire, mais on n'a pas mentionné la chaire que dirige Diane-Gabrielle Tremblay, la RUC, là, qui traite sur des questions similaires. Donc, il y a un ensemble il y a un travail d'institutionnalisation, une incidence, un impact qui s'est fait à travers ces différentes dimensions dans le réseau UQ. Intéressant,
si je reprends la présentation de Marc Urbain, on voit qu'il y a beaucoup de travail qui s'est fait autour de la constitution des régions dans un premier temps, et après un glissement qui se fait vers le sectoriel. Ça m'a tout de suite déclenché quelque chose, c'est que au niveau de l'innovation sociale et de l'économie sociale, ben là, on a quelque chose inverse, c'est-à-dire qu'on a comme une approche plus sectorielle, mais qui va faire un rebond vers les territoires, principalement par l'alliance avec les acteurs, avec les pôles d'économie sociale, par exemple, où là, on a un retour, si on veut, à la question du territoire, même si on est sur une question ou un enjeu sectoriel. Là, ça nous montre que c'est possible de faire la chose, mais à condition de travailler avec des acteurs qui ont compris le sens du territoire et qui vont vouloir avoir un développement, par exemple, de leur secteur qui va être respectueux du développement de chacun des territoires où l'on veut voir se développer la chose. Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant et inspirant pour peut-être un transfert vers les autres secteurs pour qu'ils n'oublient pas cette composante territoriale. Voilà pour la cartographie. Quelques observations. Donc, comme l'a indiqué Benoît, il y a une construction qui s'est faite autour de trois dimensions. Le développement cognitif et méthodologique, donc une espèce de praxéologie. Là, on pourrait dire que le réseau UQ a été chef de file d'une certaine façon. Un positionnement axiologique autour d'une posture développementale progressiste et critique. Évidemment, on ne peut pas dire que tout le réseau est dans ça. Et il y a une présence. Évidemment, il peut y avoir un certain danger d'intérêts qui peuvent être représentés, ce que Marc Urbain mentionnait tout à l'heure. Mais je veux dire, ça n'empêche pas les multinationales aussi d'approcher des centres de recherche dans ces réseaux-là pour pouvoir faire du travail aussi. Donc, il y a quand même un juste équilibre qui doit se faire, mais je pense qu'une des couleurs, des spécificités du réseau UQ va avoir été de travailler dans cette question progressiste et critique. Et il y a une régulation instituante de centres, de groupes, de formations, d'activités diverses et de diffusion. C'est un réseau qui s'est développé par la diversification des actions avec des moments de convergence et de divergence. Et peut-être que là, on aurait besoin d'être un peu plus dans la convergence que dans la divergence. L'UQ apparaît maintenant plus comme un système d'actions et d'acteurs qu'un écosystème à visée intégratrice à forte cohérence interne et externe. Ça m'a beaucoup parlé, la question de la dissonance en lien avec l'internationalisation. Bien, on l'observe, cette dissonance, à plusieurs échelles à l'intérieur, soit d'une constituante ou de l'ensemble des constituantes. On essaie de faire une périodisation, puis bon, c'est un peu intuitif, mais on pourrait dire que de 1977 à 2017, on a été dans un réseau qui a été beaucoup au service de la modernisation de la société québécoise, donc dans ce grand travail continuel de rattrapage, de positionnement stratégique pour créer de la richesse, pour créer une plus grande, si on veut, insertion dans la modernité. On est un peu au bout de cette période-là et présentement, il y a comme un nouveau positionnement qui m'apparaît important, qui nous apparaît important face à la question de la transition sociale et écologique, c'est-à-dire d'une nouvelle réalité qui est liée aux grandes tensions sociétales, liées aux inégalités, la pauvreté d'un côté et la question environnementale, réchauffement climatique, pollution, etc. de l'autre côté. Par rapport à cette grandes questions, ces grands enjeux, ça va nous demander de créer une nouvelle situation institutionnelle pour pouvoir répondre adéquatement. Et l'ancienne, elle est malheureusement à bout de souffle et ne permet pas de développer, on pourrait dire, soit le nouveau profil d'institution qui est requise ou de participer pleinement à la construction d'un sujet collectif et non pas, comme le montre bien Dardot et Laval, un sujet néolibéral et aussi de passer à une nouvelle épistémée qui permettrait d'être beaucoup plus proche de la réalisation d'objectifs à caractère écologique et sociétaux. Conclusion, il y a une réalité. La réalité, c'est les paysages sociétaux et environnementaux se transforment de plus en plus rapidement. Pression populiste, pression pour une quatrième révolution industrielle. On va être bientôt remplacé par des robots, ça va être fascinant. Pression pour plus d'hybridité capitalistique dans les différentes formes de combinaison de fonds, pression socio-écologique, tout cela, c'est à nos portes. Alors, face à ça, c'est pour ça que là, on se tourne, hein. On était vers le passé, tout le travail qui est fait, là, c'est vers le passé, mais je pense qu'il y a le regard qui doit se faire aussi maintenant vers les 50 prochaines années, et là, il y a à retrouver la spontanéité créatrice qui a été démontrée à travers les différentes présentations de la naissance, développement et jusqu'à un certain point essoufflement pour pouvoir
mieux répondre, si on veut, aux différents appels qui nous sont faits, les appels de phare, appels à une plus grande actionnalité par et dans la coopération, par et dans la participation à des forums hybrides qui ont malheureusement disparu avec le varlopage de toute la dimension territoriale par le gouvernement actuel. La participation à des forums hybrides où la science va être appelée à se repositionner comme acteur social et donc comme acteur politique. Appel à une transdisciplinarité, transsectorialité. Là, on a beaucoup de travail à faire à l'intérieur de nos institutions parce qu'on travaille très, très difficilement autour de ces questions, de ces enjeux. Si on réussit à faire ça, ça nous permettra de voir l'apparition de nouvelles grappes et laissera place à une nouvelle génération d'innovations. Mais aussi, ça va nous demander de participer à un travail collectif pour et sur ce qu'on pourrait appeler un grand plan de match évolutif, c'est-à-dire à co-construire et à co-définir dans l'exploration et l'institutionnalisation positive du modèle à venir des nouvelles façons de faire. Ça demande un leadership. On ne peut pas demander à l'université, à la science d'assurer à elle seule ce leadership, mais certainement, comme on le fait à travers les travaux de Juan Luis autour du leadership partagé, d'être partie prenante de cette espèce de grande messe qu'il va falloir construire avec les différents acteurs pour pouvoir développer un espace public post-étatique, parce que malheureusement, l'État, bien, si ça a été le grand timonier là, qu'on voyait jusqu'à un certain point prendre le relais et nous permettre de construire quelque chose d'autre, ben, il semble être absent. Oui, il est absent, mais de façon très managérialiste et n'est plus capable d'assurer cette régulation, ce retour à la gestion du pouvoir pour le bien commun tel qu'il devrait être. Et donc, il va falloir développer une espèce d'autre type de pouvoir que j'appelle l'action publique post-étatique, mais avec les deux autres mots qui vont avec, à inventer, parce qu'on n'a pas de recette unique pour y arriver. Et voilà, je pense que le temps est écoulé.